Good morning, allez, Idan, tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Lefani, ainsi que l'Irfouat Léa Batel Sheva Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous débutons Maseret Regia Perek Bet Mishnah Alef, Dorshin Barayot Bishlosha, Velo Bemaase Bereshit Bishnaim, Velo Bemerikava Beyachid El Imken Aya Chacham Omevin Midato. Kol Amistakel Barba Advarim Raoui Lo, Keilu Lo Bar Olam, Male Mala, Male Mata, Male Fanim Male Achor. Et on traduit directement une Mishnah qui en réalité elle aurait dû boucler le perek précédent. Seulement comme elle se finit avec quelque chose de triste, en jetant une malédiction sur quelqu'un qui va faire quelque chose de pas bien, on n'a pas voulu finir le perek précédent avec cette Mishnah, donc du coup on l'a collé dans le deuxième perek. D'accord? Mais en fait qui vient en fait nous parler des sujets généraux de la Torah en rapport avec. Cette fois-ci, les harayot qu'on avait expliqué, on avait évoqué les lois d'inceste. Et la Torah, la Mishnah me dit, Endorshin barayot bishlosha. Lorsque tu consignes les lois de harayot, des cas d'inceste, eh ben, ne le fais pas avec trois personnes, juste deux personnes. Ok? Tu prends deux talmidim et toi tu leur donnes cours, mais pas à trois. De peur que, quand tu vas, comme toutes les harayot qui sont compliquées, dès que vous allez avoir plusieurs personnes, je vais donner cours à cinq personnes. Il y en a deux qui vont me coter, trois qui vont papoter entre eux. Après, ils vont sortir du cours, c'est sûr, à coup sûr. Quand on finit un cours, il y en a un parmi 10 qui a compris tout à l'envers. Pourquoi il comprend l'envers? Pas parce qu'il n'est pas forcément éveillé, non. C'est parce qu'il est occupé, distrait. Soit aujourd'hui, on a plus besoin d'un copain pour parler, on a l'iPhone directement, malheureusement. Mais d'accord, on n'est plus concentré dans ce qu'on fait. Donc du coup, la Torah nous a dit, lorsque tu parles des ilchot de Arayot, qui sont des sujets très 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 sensibles, on peut facilement faire des erreurs, tu le fais qu'avec deux talmidim, mais pas trois. Parce que trois, toi tu vas parler avec un, pendant que les deux vont parler ensemble, ils vont retenir tout à l'envers. Velobemaase Bereshit Bishnaim aussi, tu ne parleras pas de Kabbalah. Alors là, il y a deux types de Kabbalah. Il y a Maase Bereshit, tu peux le faire, tu le fais pas avec deux talmidim, juste toi et un. Velobemerkava Beyachid, et les Maase Merkava, c'est une Kabbalah encore plus profonde, la Kabbalah, la Kabbale, que cette fois-ci, tu le fais même pas avec une seule personne, sauf si, Elaim Kenaya Chacham, sauf si c'était quelqu'un de très déguisé, Chacham, de sage et tzadik en même temps. Ou Mevin Midato, et qui comprend de lui-même, que tu lui parles à mi-mot et il comprend directement. Soit, c'est quoi d'abord Maase Bereshit et c'est quoi Maase Merkabah? Dans la Kabbalah, il y a deux types de niveaux. Il y a des sujets profonds qui vont parler des Gilgul et Neshamot, qui vont parler des Maase Bereshit, comment les choses, les mondes se sont d'un monde à l'autre, depuis le monde spirituel jusqu'au monde matériel, comment les choses se sont. Comment Shamin a créé le monde pour faire sortir son monde matériel, c'est des questions philosophiques assez profondes. Ben, la Kabbalah, elle répond ça s'appelle Maase Bereshit. Mais ça, Maase Merkava, cette fois-ci, c'est la Merkava, c'est comment maintenant Hachem dirige le monde avec tous les Malachim qui sont sous lui. Le Tiferet Israël apporte encore, c'est ce qui touche à la Kabbalah avec les Shemot à Kodesh, comment créer des Shemot qui vont changer la nature. Tout ça, on le transmet à très, 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 à Mimo. Alors Maase Bereshit, encore, on peut encore en parler de sujets un peu plus kabbalistiques, on peut en parler avec un Talmid, mais pas deux. Mais Maase Merkava, même avec un Talmid, c'est que un, en lui donnant un Mimo. Et qu'on se fonde sur lui pour qu'il déduise de lui-même de la faute. D'accord? Selon ce principe, maintenant, la Mishnah continue en disant quand le Misakel Barbad, tout celui qui va méditer, regarder, méditer sur quatre choses, Raoui Lo, Lo Ba, ça aurait été mieux pour lui qu'il ne soit même pas créé. En l'occurrence, Malemala, qu'est-ce qui est au-dessus? Malemata, qu'est-ce qui est en dessous? Malefanim, qu'est-ce qui est devant? Et Malachor, qu'est-ce qui est derrière? Alors là, il y a plusieurs interprétations qui nous disent de quoi ça parle. Vous imaginez bien que tout le cosmos, aussi dur que ça peut être, ben, il est limité. Ça se finit, et quand ça se finit, c'est pas qu'il y a un mur avec quelque chose, c'est qu'on est passé, en fait, du niveau du matériel au niveau du spirituel. Faut pas que je vous parle trop, parce que de toute façon, moi, je connais pas trop. Mais il rapporte comme ça, le Tiferet Israël, il rapporte plusieurs interprétations sur mal et mal, mal et mata, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du monde? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du monde avant que le temps ait été créé? Toutes des notions en fait, philosophiques où on va facilement se tromper parce que je vous donne une petite notion. Si Hachem a créé le temps, c'est que lui, il est lui-même au-dessus du temps. Alors ça ne veut dire pas d'être au-dessus du temps. Et toutes les grosses questions philosophiques, si Hachem, est-ce que l'homme, il a le libre arbitre? Il a le libre arbitre. Alors comment est-ce qu'Hachem, il peut savoir ce qu'on va faire? Alors, toutes sortes de questions qui sont philosophique est compliqué à comprendre et même à expliquer pourquoi. Pourquoi on n'a pas de réponse à ça? Parce qu'on ne peut pas avoir de réponse. Parce que justement, c'est à cause de ces questions-là. Toi, tu réfléchis avec un sechel, avec un cerveau matériel, et Hachem, c'est lui qui crée le cerveau matériel, c'est lui qui crée la forme que tu utilises
Donc il n'est pas dépendant de sa chorma, il a des règles différentes. D'accord? C'est ça le principe que. Donc qu'est-ce qui est au-dessus des chayot, ou au-dessus du malemata, qu'est-ce qui est en dessous? Malefanim, qu'est-ce qu'il y avait avant que le monde ait été créé? Puisque le monde il a été créé, qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors quoi? Ça, depuis quand? Mais non, si je te dis qu'il n'y avait pas de. Ça n'a jamais créé la notion de temps, donc c'est qu'il n'y avait pas de temps. Tu n'es pas capable de comprendre ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas méditer de trop sur ça, parce que tu vas forcément te perdre sur ça. Malachor, qu'est-ce qu'il y aura ensuite après le monde aussi? De nouveau, tout ça, c'est des questions qu'il ne faut pas se poser. On peut étudier. Ratsovachov, ça s'appelle. Un petit coup de. Une petite réflexion et on revient en arrière tout de suite. On ne reste pas dedans parce qu'on risque de se perdre. À part ça, Kovechol Shalochas al Gvod Kono, tout celui qui n'a pas, littéralement qui n'a pas pitié, qui ne pas, veille pas à garder l'honneur de son d'Akadosh Baruch Hu, eh bien Raoulo, Shalom Balaolam, il va mieux pour lui qu'il ne soit pas créé sur terre. Ça veut dire quoi? Le Bartanoir, il rapporte au nom de la Gemara, c'est celui qui fait Hachem, il est là, il nous dirige, même lorsqu'on est enfermé tout seul dans une maison en cachette. Et la Gemara nous explique que celui, que quand il est dehors, il se montre que c'est le grand tzaddik, mais dès qu'il est chez lui à la maison, il fait des averot, il regarde des choses qu'il ne fallait pas faire. Là, ça s'appelle qu'il n'est pas, il n'est pas chas al gvod kono. Tu ne réalises pas qu'Hachem, il remplit, il est là, partout avec toi. Et si tu ne réalises pas qu'il est partout avec toi, alors dans ce cas-là, tu lui fais un affront. Ouais, c'est pas tout. Hein. Celui qui sont venus comme ça, il lui fait un affront. Lorsqu'il transgresse une avéra, bah, c'est terre, parce que, en cachette. Lorsqu'il transgresse une avéra en cachette, il est en train de dire que alors, le bon Dieu, c'est bien pour faire beau devant tout le monde, mais en cachette, j'y crois pas trop. Alors là, ça s'appelle qu'il fait, il fait un sacrilège très violent face à Hachem, et là, la Mishnah lui dit que Raoulo, Shelo, bah alors là, mais il est mieux qu'il ne soit pas créé. Il faut savoir quand même que la Gemara nous dit aussi que malgré tout, elle parle, il y a une Gemara aussi qui dit presque exactement le contraire. En réalité, c'est quelqu'un qui a un très grand yetzer hara, qui a envie de faire une avéra, alors on lui dit, c'est déjà, va au moins la faire en cachette, parce que pour la même raison, en réalité. Parce qu'en l'honneur d'Hachem, si tu vas faire la avéra en plein public, eh bien, tu vas casser le moral du groupe. Ouais, tu l'as fait, après quelqu'un va se permettre de la faire. Alors au moins, si déjà tu sens que tu n'as plus de force pour te retenir, va au moins la faire en cachette. Il y a les deux sont vrais en réalité, mais tout dépend de la motivation. Toujours se soucier du Kvod Hachem Baolam, et qu'on a toujours le mérite Bezat Hachem de faire grandir le Kvod Hachem sur Terre, Bezat Hachem. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzlacha Kol Tov.